Hey, donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je suis accompagné de Winrolio qui va vous expliquer, donc je vais mettre sa chaîne en description, qui va vous expliquer comment avoir la tenue de policier comme vous avez vu au titre, la tenue de policier juste que je porte là. Donc voilà, donc c'était l'intro de la vidéo. Non, attends, attends, je recommence. Et salut à tous. Ah non, 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 merde. Attends, bah, coupe pas ton truc. Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Donc dans cette vidéo, je suis accompagné de Winrolio. Yo! Du coup, c'est dans cette vidéo, comme vous avez vu au titre, ça permet d'avoir la tenue de policier que je porte, là, que nous portons. Et donc c'est Winrolio qui va tout vous expliquer. Donc je mettrai sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller checker, il y a la vidéo des deux points de vue, n'hésitez pas à les voir. Bon, on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Retourne donc les gars, pour avoir la tenue de police, vous devrez avoir une salle d'arcade. Donc, pour avoir la salle d'arcade, vous allez sur votre téléphone, sur Internet, et vous allez dans Maze Bank Foreclosure. Vous cliquez, Voilà, là je vous montre en même temps. vous faites accéder au site. Après, vous voyez, il y a des genres de trucs, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, vous avez compris. Après, il faudra que vous achetiez la salle d'arcade. Du coup les gars, c'est juste pour vous dire que c'est les points jaunes. Du coup moi je l'avais pas sur mon écran, je savais pas pourquoi. Dites-le-moi si vous l'avez pas, c'était juste pour vous dire ça, voilà. C'est tout. Et donc vous achetez comme vous voulez, vous achetez tout ce que vous voulez. Là-dessus, vous avez rien acheté. Donc ensuite, pour avoir la tenue de police, il faut déjà commencer à faire un peu de mission de préparation, mais vraiment pas beaucoup. Et donc on va aller voir. Tu vois? Ouais. On rentre dans la salle. Là, Ah mais moi je peux pas on va rentrer. faire une petite cinématique. Je peux pas Je rentrer moi. t'inviterai, t'inquiète pas, je t'inviterai. Vas-y. Donc, tac, tac, tac. On va vous expliquer toutes les fonctions de la salle d'arcade. Tac. Mais il n'y en a pas vraiment beaucoup. Donc, il y a place. Hop là. On attend l'arrivée du billet flash. C'est bon, je suis là. Ok. Donc, on va vous faire visiter. Donc, comme toute attente, il y a des machines d'arcade. Donc, voilà. La salle Donc on peut y d'arcade. jouer, hein. On peut y jouer. Oui, on peut y jouer, mais n'essaye pas parce que sinon on va être bloqué, si tu te rappelles bien. Ouais, on peut être bloqué. C'est compliqué Allez. donc. Là, il y a un jukebox. On peut payer pour changer de musique, mais je ne vais pas y faire parce qu'il faut d'avoir de l'argent liquide. Donc là, il faut monter directement là. Là, c'est les toilettes. Je Toilette, n'avais bon, pas on s'en vraiment fiche besoin un de vous peu. y montrer. Voilà. Après, je vais vous expliquer les fonctions. Alors, de une, si vous êtes président d'un club de motards ou PDG de Securoserve, vous pourrez accéder ici et avoir des machines d'arcade. Après, il y a aussi, ce n'est pas la seule fonction, nous avons des revenus qui viennent dans ce coffre-là. Un peu comme la boîte de nuit, quoi. Voilà. Et pour le truc secret, je laisse l'honneur à Mega Clash. Tac. Faut mettre une... Enfin, faut mettre flèche droite et puis voilà. Voilà. Et la porte s'ouvre. C'est stylé. Donc, ici, nous avons un atelier d'armes, comme plusieurs trucs, et où peut monter nos armes en MK2. Voilà. On peut monter nos armes en MK2. Donc, là, nous arrivons au sujet principal de la vidéo. Comment avoir la tenue de police. Vous voyez ce tableau-là exactement? Eh bah, il sert à rien pour l'instant. Il faudra juste faire les deux missions qui sont là, et après,
vous choisirez dans le cadre que vous voudrez faire. Mais pour avoir la tenue de police, il faut faire dans le cadre furtif. Ok, Après voilà. avoir fait dans le cadre furtif, nous arrivons là. Dans ce tableau, vous devez faire cette mission pour avoir les tenues de police. Vous avez une chance sur deux de tomber sur la mission avec les tenues de police. La mission sera très reconnaissable. Si pour avoir la mission avec les tenues de police, il va dire, l'histoire va vous appeler et vous dire qu'il faut voler un bus. Et après, pour l'autre mission, pour le savoir, il y aura deux points sur la carte. Un pour une personne qui a la carte et l'autre pour l'autre personne qui a la carte. Mais nous, celui qui nous intéresse le plus, c'est celui avec le bus. C'est celui qui permet d'avoir la tenue de policier. Donc, alors, vous faites la mission normale. Et à la fin, au lieu de remettre votre tenue, vous allez le plus vite possible à un magasin de vêtements. Et après, une fois avoir été au magasin de vêtements, vous sauvegardez la tenue. Je sais pas si c'est clair, mais Yacla, je vais vous Ouais. réexpliquer s'il a compris, Enfin, lui. ouais, mais non, j'ai pas besoin de réexpliquer. C'est juste pour préciser que c'est la mission qu'il faut faire carte magnétique. Voilà, c'est juste pour dire ça. Et les gars, oubliez surtout pas que il faut la mission, on doit voler le bus. Et donc après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec la tenue, mais par contre, ne la personnalisez pas parce que le corps, parce que sinon vous allez perdre la tenue, tout ça. Et donc sinon, et vous pouvez ajouter le sac de braquage dessus. Ouais, moi elle est stylée la tenue. Moi aussi, je trouve. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ce que j'ai dit ou Non. pas? Ok. Bon bah, sur ce, nous on vous dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Ciao!